La route Goma-Bunagana sera bientôt asphaltée. Le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kaongia, s'est rendu sur les chantiers où le parc automobile est prêt au lancement de ses travaux. Il s'agit d'une autre promesse faite aux populations du Nord-Kivu par le chef de l'État Joseph Kabila, qui verra le jour dans les secteurs des infrastructures routières. Après une visite d'inspection que le numéro 1 du Nord-Kivu a effectuée à Kibumba, l'autorité provinciale, satisfaite, a rassuré l'opinion que la fin de la guerre, grâce au génie du chef de l'État Joseph Kabila, donne pour dividende la réalisation de plusieurs projets de développement. Puis j'ai tenu à visiter les chantiers pour dire à l'opinion que à chaque fois que le président de la République, Joseph Kabila, dit une chose, eh bien, il réalise. Il avait dit, il avait annoncé que les travaux de la route de Goma jusqu'à Butembo vont bientôt commencer. Et on va commencer par asphalter les 25 premiers kilomètres. Donc ça veut dire de Goma, peut-être jusqu'à Kibumba, ici où est installé le chantier, pour qu'on commence maintenant le deuxième lot, le troisième lot, etc. Et lorsqu'on aura fini les travaux jusqu'à Bunagana, on va maintenant prendre la route à partir de Rutshuru jusqu'à Kanyabayonga. Et il y aura une autre entreprise qui partira de Butembo vers Kanyabayonga. Donc d'ici peut-être une année, deux ans, je crois que les gens qui partent à Butembo, à Beni, par avion, vont cesser de payer 200 dollars à chaque aller et désormais payer peut-être 15 dollars pour arriver à Butembo ou à Beni. Donc c'est un sentiment de satisfaction lorsque je vois tous ces engins qui sont prêts. Je suis venu les encourager et leur dire que toute la population du Nord qui vous soutient ce projet du président de la République, parce qu'effectivement, lorsqu'on fait la route, ça fait partie aussi des actions de lutte contre l'insécurité.